Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, c'est Wolf et on se retrouve pour le 6e épisode de la 3e saison de Kill de Patrick. Donc pour moi c'est ma toute première saison. Je suis toujours en grotte. J'ai besoin encore d'un seul lingot d'or et ensuite je ressors, promis. Mais là il y a du zonzon. Il y a du zonzon, donc je suis pas tranquille. J'ai pas peur des zombies généralement, mais comme on est en hardcore, ils tapent assez fort. Et même si je suis protégé d'une armure, j'ai l'impression que ça fait rien. Et c'est un gros problème d'avoir l'impression que ça ne vous protège pas. La règle numéro 1 d'iPlay, qui est de ne jamais sortir sans armure en hardcore, j'ai l'impression qu'elle ne s'applique pas ici. Et ça c'est un gros problème, puisque c'est la seule façon que j'ai de pouvoir me protéger à la fois des attaques des joueurs, donc en PVP, mais aussi des attaques des monstres, donc du PVE. Et là, ça risque d'être assez chiant, donc je suis désolé, je vais faire un petit accéléré, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis, ou alors je vous retrouve juste après, histoire de histoire de pouvoir justement... Ah, de l'or, ça y est, j'ai trouvé de quoi me faire de l'or, enfin une pomme en or. Ma seule façon de me régénérer, puisque je le rappelle, donc pour ce 6e épisode de Kill de Patrick, je n'ai pas d'autre choix que de trouver de l'or si je souhaite me régénérer. Donc là ça y est, j'ai trouvé, donc c'est bien, c'est une bonne façon de commencer l'épisode. Bon, allez, on va se refaire une table de craft. Je la plante ici. J'ai 8 d'or, j'en ai trouvé 8. What? Oh, bah j'ai de quoi me faire carrément 2 pommes. La grande classe. Voilà, allez, on va faire chauffer tout ça. Moi, je vais continuer de miner un petit peu. Parce que, mine de, ça pourrait être sympathique hein, de trouver encore des choses. Donc là en fait je suis encore à la recherche de l'ultime lingot d'or. Et je crains pour ma vie parce que là il y a des monstres qui peuvent atterrir. J'aime pas entendre des monstres comme ça proches de moi. Ah. C'est mort, je vais pas dans la grotte. Quoique ça aurait peut-être été une chance de trouver... trouver quelque chose. Et ça aurait été bidon de mourir alors que je venais juste de trouver de quoi survivre en fait. Ça aurait été un peu idiot. Il commence à se faire tard, il est 22h44 et j'espère avoir suffisamment d'espace disque pour continuer de jouer. Parce que si j'ai plus assez d'espace disque, vous n'aurez pas la suite des épisodes. Ce qui risque d'être assez ballot. Donc je vais checker, puis on verra bien. Bon, normalement, mes lingots d'or ont chauffé. Ça, c'était censé être une tentative de course. Ok. De toute façon, ça sert à rien de continuer d'être en sous-sol. Ça y est, j'ai ma pomme en or. Donc maintenant, je vais me crafter quand même une épée. Une épée, une hache, pardon. Bon, la table de craft, quand même que je songe à la récupérer. Parce que je vais pas faire que ça, que de gaspiller mon bois, en fait. Voilà, je préfère gaspiller le gravier j'en ai plus besoin. Je me suis fait mon briquet, le briquet d'ailleurs je vais le mettre à ce niveau-là. Ah, quoique je pourrais avoir besoin de cobble. Voilà. Alors... miner au-dessus de soi est une très très mauvaise idée généralement. Surtout que là je commence à entendre des bestioles. Ces bestioles ne doivent vraiment pas être loin. J'ai juste fait une petite boulette. C'est qu'il me faudrait me recrafter des choses. Donc, ce que je vais... Oh! Non, c'était de la redstone, j'ai eu peur. Je vais me recrafter des pioches, très vite, au moins 3. Voilà, 3 pioches. 1, 2,
et 3. Ok, voilà. Pour le reste, la cobble, j'en ai beaucoup plus que de raison. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est de l'autre côté qu'il faut que je fasse. Bon, je récupère. Là, il y a trop d'araignées. Il doit y avoir un donjon pas loin. Alors, je garde en fait les coordonnées affichées. Juste pour savoir à quelle profondeur je suis. Voilà. Donc, je fais peut-être une petite coupure montage. Et je vous retrouve une fois que je suis arrivé à l'étage. Ou plutôt dehors. Alors, je reprends. Voilà, vous entendez le reste du bruit. Puisque malheureusement, Shorty a succombé. Il était tout seul dans son équipe. La team bout de crayon est out. Ah là, la mine s'est cassée. Voilà, c'était obligé. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre dans son épisode qui a fait la même vanne que moi. Ce sera à surveiller lors de la diffusion. Voilà, hop. Ça, c'est mort. Pour ma pomme. Donc voilà, 7 teams désormais. Mais on est tous un peu mal au point, mal en point en fait, pour l'instant. C'est un peu la loose. Mais j'ai quand même encore une pomme en or, histoire de m'aider. J'ai réussi à m'en crafter une. Pour le reste, bah tant pis. C'est vrai que c'est quand même bête. Mais bon, tant pis, hein. Faut aussi penser à ce que vous allez voir. Ça reste un show. Bon bah du coup, comme je remonte, voilà, c'était pour vous faire partager la mort de Shorty. Quelque part, c'est pas super glamour. Oh! Super. J'ai failli carrément vous faire partager ma mort. Donc un lac de lave en couche 36. Je sens que je vais m'amuser. Donc je vais être sûr de m'éloigner. Je récupère du fer par la même occasion, c'est cool. Je sais pas si ça va vraiment m'être utile. Je préférerais trouver de l'or en fait, pour être tout à fait honnête. Je vais réorganiser mon inventaire. Ouais, ça en fait la cobblestone, j'en ai un peu rien à faire, mais tant pis, bah si voilà, je l'ai récupérée, automatiquement elle a été absorbée. Alors. Une grotte. Un peu où on en est dans la grotte. De toute façon, il va falloir que je finisse par sortir. Bon, ça sera un moyen plus efficace, je pense, de rentrer. Enfin, je pense, hein, après, je suis pas sûr. Un zombie avec une golden armor et une épée. Il est sérieux le zombie. J'espère juste qu'il va pas nous dropper des mini-zombies. Oh! Il a droppé un truc en or. Ça me sera peut-être toujours plus utile que la gunpowder. Je vais m'installer ici. Au moins je suis passé niveau 15. Quelque part c'est bien. Et on va remonter par ici maintenant. Alors bien sûr c'est long. Je tiens à m'en excuser d'ailleurs. Mais c'est la seule façon pour moi de pouvoir m'assurer un avenir. On s'assure un avenir comme on peut dans KTP. Il nous reste combien de joueurs? 17. C'est beaucoup quand même. J'aimerais bien être dans les 10 premiers joueurs. Pour l'instant, il ne reste que 10 minutes de jeu pour ce sixième épisode déjà. Je suis pas très loin en fait de la surface, hein, mine de. Pas
pas si loin que ça. J'aurais aimé me trouver du stuff en diams. Clairement. Ça aurait été beaucoup plus encourageant. Mais bon. Je suis pas un pro du PVE, PVP, les séries en ultra méga survival de la mort qui tue. C'est pas super drôle. Là, de pas pouvoir se régénérer grâce à la faim, enfin, grâce à notre barre de faim, c'est quand même un très gros handicap. Allez, je remonte et on se retrouve en haut. Alors les amis, on se retrouve, bon, une petite minute après. Et le problème, c'est que la nuit vient de tomber. Mais je verrai plus... Je verrai venir, en fait. Donc je vais sortir de nuit. Je sais que c'est assez suicidaire comme comportement. Mais j'ai mon épée. Du coup, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir courir. Et là, je vois quand même beaucoup plus large. J'ai l'impression de même pas avoir bougé. C'est ça le problème. J'ai pas bougé, en fait. Et comme nous sommes en hardcore, mais que il n'y a pas de mode, je n'ai pas grand-chose à craindre des gens. Et là, les zombies, en fait, pouvant les voir venir, par rapport aux grottes, bah là, je peux me faire plaisir. Donc du coup, c'est quand même mieux. Donc je peux enlever le F3 disgracieux qui nous empêche de profiter de cette belle vue, de cette bouillie de pixels. Oh mince! Tiens, Gisèle et Micheline. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Bon. Eh ben mine de ça reste quand même dangereux, hein. Le zombie, quand il est pas content, il est pas content. Il y a du squelette, il y a du creeper. Il y a du squelette et des creepers. Ouais, là il y a du creep qui m'a vu. Alors je vais continuer de m'aventurer dans le désert. Alors pourquoi le désert? Tout simplement parce que j'ai une meilleure vue dans le désert. Il y a plein de creepers. Là, le zombie il m'a vu de super loin. Eh mine de, ils sont pas si bêtes que ça. Hein. Mais moi j'ai besoin de cochons. Alors on est sur une map de 1000 par 1000. Donc, enfin de 2000 par 2000, pardon. Les coordonnées, ça va de moins 1000 à 1000. As de pique qui pose la question. Si quelqu'un lui répond... Quel bande d'enfants. Ah, les enflures. Ah, c'est pas vrai. Bon, alors moi, je vais quand même avoir besoin de tuer du squeletton. Mais le squeletton... C'est méchant et ça peut viser de très loin en hardcore. Enfin, en tout cas, ça vise de plus loin. Bon, l'avantage c'est que je suis stuffé. Ah, les limites. La limite de la map. Ça, je suis pas très... C'est pas très heureux en fait, malheureusement, comme situation. Mais il me faut déjà des araignées. J'espère ne pas me faire tuer à cause des araignées. Le zombie m'a vu de vachement loin. L'araignée va beaucoup plus vite. Je vais la laisser arriver en première. Enfin, en premier. Voilà. J'ai récupéré son fil. Lui, je l'ai tué. Et maintenant, il me faut faire de la place. Je vais virer un truc de cobble. La cobble, j'en ai plus besoin à l'air libre. Alors. Maintenant, je vais quand même avoir besoin de me nourrir. Et pour ça, je vais avoir besoin de me faire une canne à pêche. Si toi, tu pouvais me dropper une carotte, ce serait quand même vachement bien. Que de la viande de zonzon. La viande de zonzon, c'est bien. Hop, je la garde avec moi. J'ai deux pommes. Là, il y a un Enderman qui est paumé sur son bout de... sur son île, là. Si je pouvais au moins me faire un arc. Ouais, bah voilà, c'est ça, l'arc. J'ai besoin, donc, de fil. J'ai besoin de fil. Il me faut un arc. Donc, ça va être l'objectif. Il me faut un arc. Donc, pour ça, j'ai besoin de tuer des araignées. Mince, super. J'avais vraiment pas besoin de ça. Pas maintenant. Faut que je mange ma viande de zombie. Voilà, au moins, comme ça je cours à fond. Voilà, ça commence à sauter de partout au niveau des monstres.
Là, il y a même quelqu'un qui... un squelette qui a un arc enchanté. Donc c'est pas génial. Je sais pas si vous l'avez vu ou je sais pas si j'ai rêvé. Bon, lui, je vais essayer de lui faire sa fête. C'est pas vrai. Yes! Il m'a droppé un arc. Oh, la bonne nouvelle. Et c'est une extrême bonne nouvelle. Yes. Alors le problème, c'est que si j'ai pas les flèches qui vont avec, ça va être un peu nul. Ouais, 13 points de vie. Je peux remonter à 17. De là à ce que ce soit très utile. Bon. Il faudra finir par trouver les gens là. Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus stuffés que moi, donc il va me falloir des plumes. Le problème c'est que les plumes, j'ai complètement omis d'en garder. J'ai pas de plumes. Le silex, ouais bon, alors là. Va falloir retourner en grotte pour pouvoir obtenir tout ça. Voilà, viens par la bébête. Oh, elle m'a touché. Elle m'a touché. Je peux pas récupérer, j'en ai plus. Pour se faire des bouquins, c'est utile quand même ça. Les œufs, mais oui, les œufs. Faudrait peut-être que je songe à les jeter. Bon, tant pis. J'ai jeté mon poulet? J'avais jeté mon poulet? Je suis sérieux, moi. J'ai jeté mon poulet. Donc voilà, au moins, j'ai ma faim qui est complètement, enfin presque régénérée. La nuit est en train de tomber. Bon, je pense que... Ah, cochon. Cochon, cochon, cochon. Ah, là, voilà, c'était ce que je cherchais. Il me fallait du cochon. La redstone, j'en ai clairement pas besoin. Il faut également que je me fasse un max. Faut que je me trouve une grotte. Faut que je me fasse un max de flèches. Faut que je retourne en grotte, mes amis, malheureusement. C'est une mauvaise nouvelle. Oh, qu'est-ce que tu me veux, toi? T'as conclu un pacte avec Aipierre. On doit absolument tous crever, je sais pas. Là, il y a plein de creep. Allez, on va faire leur fête. Voilà. Les cochons. Voilà, ça fait de la viande, ça fait plaisir. 12 côtelettes. 12. Bon. On va éviter de rester statique, il y a toujours des monstres. La preuve, le zombie m'a vu de loin. Ok, j'ai ramassé la viande. Viens là, le petit zombie. Eh, il a pas lâché l'affaire, hein. Il avait pas lâché l'affaire, le monstre. Bon, je suis forever alone, là, en fait. Et il nous reste que 20 secondes avant la fin de l'épisode. Donc les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce 6e épisode. Peut-être le dernier. Voilà, lui il est mort. Il a droppé une flèche. Ça, hop. Voilà, ça me fait quand même une flèche, mine de. Ça peut toujours être utile. Là, lui il en a droppé deux. Toi, tu viens par là. Ok. Et c'est parti les amis, on se retrouve dans le prochain épisode de Kill de Patrick. Je suis armé jusqu'aux dents, mais combien de temps vais-je encore tenir? C'est parti pour l'épisode 7.